Et ça y est, Studio Bubble Tea lance son premier jouet. Créapâte est une pâte à modeler à faire soi-même. Un petit peu de poudre, un petit peu d'eau, vous remuez et ça vous donne une pâte à modeler 100% alimentaire, c'est-à-dire comestible. Alors allez-y, amusez-vous et bien sûr... Vivez vos rêves! Oui, oui, c'est quoi ça? Je crois que le pas est le suivant. Et la moto, c'est fun ou pas? Ouais. Là, tu te débrouilles très bien, hein. Bravo, Athéna. Hello, Athéna. Hello. Coucou, Calice. Coucou. Comment ça va aujourd'hui, les filles? Ça va. Alors là, on est à Paris. On n'est pas très loin de Boulogne. Et on se dirige... Où ça? Dans un endroit pour faire quoi? Pour faire... Pour voir la... C'est dur à décrire. Oui. Vous allez voir ça en vidéo, ça va être beaucoup plus simple. En fait, c'est une démonstration, bien sûr, essayer le nouveau jouet, on va dire, entre guillemets, de Big N, c'est-à-dire Monsieur Nintendo. Rien que ça. Et on a hâte de voir ça. Je pense qu'on va bien s'éclater. Alors, c'est par ici, je sais plus où. Et ça y est, on est arrivé. On pousse. Et on voilà. Tire. Et c'est ici. Allez, c'est parti. Les filles sont déjà là. Oh. Et ça y est, nous voici. Qu'est-ce que c'est, Calice? Alors, voilà. Alors, on va nous présenter, on va nous faire une petite démonstration. Oui. Et c'est magique ici, hein. Il y a plein de choses. Waouh. Il y a une canne à pêche. Une canne à pêche. Et ça y est, alors sur la Switch, qu'est-ce qu'on a, Calice? En fait, il y a une petite cartouche qui correspond à ce que tu vas monter. Donc nous sommes en train de faire du Nintendo Labo, pardon. En fait là on va fabriquer une voiture téléguidée, parce qu'en fait il y aura deux packs à la sortie le 27 avril. Il y aura un pack avec plein de choses, dont les voitures téléguidées, et aussi un pack avec le robot qui est ici. On le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors c'est parti, je te laisse faire, Calice. Donc là tu vas détacher les pièces et après on suit eh bien ce que nous dit la Switch. D'accord. Donc ça, nous on est là-dessus là en ce moment. On est en train de monter une voiture comme celle-ci. Après on rajoute les Joy-Con. Mais c'est plutôt rigolo, en fait c'est comme de l'origami. Mais pour monter quelque chose en carton avec lequel on va jouer avec le jeu vidéo. Elle est trop jolie la mienne. Elle est la tienne aussi, Calice, bravo les filles. Alors maintenant, comment on fait? Jouer maintenant. Alors, Calice, tu as découvert des choses. Regardez, il y a une caméra en fait qui, grâce au petit capteur et petit émetteur récepteur ici sur le Joy-Con. Là, on a la caméra infrarouge, on le voit. La Switch est ici. Regardez. C'est génial. C'est génial, ouais. Alors, c'est le mode arène. Celui qui sort de l'arène, eh bien, sera déclaré perdant. Explosion. Là, c'est atelier créatif en même temps. Et ça fait tout, hein. Ça fait jeux vidéo, ça fait origami, ça fait atelier créatif. Les filles, est-ce qu'on essaye les autres Toy-Con? Il y a de quoi faire. Et là, les filles, ça y est, vous êtes en train d'essayer le Toy-Con suivant, qui est le piano. Alors ça, c'est impressionnant aussi. Et là, regardez, en fonction de ça, hop, je l'enlève. Attends, le deux, il est trop bien. Et là aussi, il y a un levier qui fait... Bravo! Et alors là, voici la maison. On a gagné un bonbon. Oui, alors c'est pour qui le bonbon? C'est pour lui. C'est pour lui, c'est un petit personnage que tu peux, avec lequel tu peux interagir. On peut le nourrir, on peut l'endormir, on peut lui faire faire du sport, on peut jouer avec, voilà. Quand on met ça à la petite manivelle, eh bien les engrenages tournent. Donc là, c'est pour le sport. Voilà. Bravo, t'as gagné un bonbon. Un bonbon. Et cette fois, on essaye la canne à pêche. Quand tu bouges à droite ou à gauche, regardez. Le fil bouge à droite et à gauche. Oh, j'ai failli me prendre un coup de canne à pêche, attendez. Ah, t'es en train de pêcher un beau poisson, là. Une carpe, ça, non? On dirait une carpe. Une dora japonaise. Plus tu vas au fond de l'eau, alors t'es vraiment au fond. Ah non, pas encore. Ah oui, regarde, il y a des poissons plus gros. Plus tu vas au fond, plus les poissons sont gros. Là, t'es vraiment au fond du fond. Oh là 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 là, il y a des requins. Ah, j'ai cru qu'il allait manger. Oui, c'est quoi ça? Ça va faire, là. C'est plus dur à remonter. Hein.
La petite Calice, non, ils sont encore sauvés. Allez, on essaye le Python suivant. Je crois que le Python suivant est la moto. Donc là, c'est en train de tenir un guidon de moto. Donc comment ça marche? Il y a une Python à l'intérieur avec le guidon. Et en fait, quand tu pilotes... C'est comme si t'étais dans Super Mario, ok? Oui, c'est ça, c'est un petit peu pareil. C'est sur une piste de course. Et pour finir premier, c'est un petit peu le but du jeu. Donc tu as le guidon, tu vas à droite ou à gauche pour tourner. Tu as le frein, tu as l'accélérateur. Et tu peux choisir aussi les différentes motos, les cylindrés pour aller plus vite. Donc c'est assez complet, ouais, c'est un vrai jeu de course. Ok, et maintenant on va passer au Python suivant. Et alors là, t'es bien équipé, Chris, puisque tu es devenu un robot, on peut le voir sur l'écran. Là, quand tu as les lunettes et que tu les relèves, tu passes en mode robot. Quand tu les remets, tu passes en mode vue d'intérieur du robot. Voilà. Donc en fait, il y a un gros sac à dos avec des systèmes de poulies à l'intérieur qui permet de faire plein de choses. Voyez avec quoi. Tu lèves les pieds simplement, en fait, tu marches. Vas-y. Donc là, tu voles parce que tu es en train de tirer les deux bras en même temps. Donc quand tu te penches en avant, tu avances en volant en avant. Quand tu penches un petit peu en arrière, tu recules. Après, voilà, tu atterris. Donc maintenant, tu peux lever les pieds. Voilà. Quand tu t'accroupis, Calice te transforme en véhicule, en une sorte de tank futuriste. Et quand tu mets la visière, tu passes en mode tourelle. C'est fun ou pas? Ouais. Ok, ben on a fait le tour, hein. C'est franchement ingénieux. Je suis très très content d'être venu. Ça t'a plu toi, Calice? Si vous voulez absolument essayer ça, est-ce que ça a autant de tes espérances? Ouais. Ok, bon voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. On va faire notre petite conclusion. Et ça y est les filles, on est rentré de cette démonstration Nintendo Labo. Ça vous a plu? Wouhou! Oui, le robot t'es encore dedans. C'était top. Donc je vous rappelle, il y a multi kit et kit robot. Ça sera sous forme de deux kits séparés et ça sera en vente à partir du 27. Ah oui, j'espère que ça vous a plu. Si oui, laissez un petit pouce bleu, partagez, commentez, abonnez-vous. Ça vous a plu les filles? Oui. Oui, et ben moi aussi, j'ai adoré. Je suis sûr que les petits copains, les Bubble Fans ont adoré également. Eh bien, très bonne nouvelle, puisque vous allez pouvoir gagner un multi-kit et un kit robot. Il y aura deux gagnants, donc un concours Nintendo Labo qui est lancé grâce à Studio Bubble Tea. Pour ça, il suffit d'aller sur notre page Facebook. Le lien est dans la description et vous aurez toutes les infos. La participation se passe sur Facebook. Allez les filles, on se laisse, on se fait des gros bisous, bisous Calice. Bisous à Tena. Soyez beau, soyez bien, soyez beau, et vivez vos rêves. Tu fais le poisson? Je vais te pêcher, comme le là-haut.